Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 46e épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Alors, la dernière fois j'avais laissé, on avait eu quelques petits problèmes, je crois que j'ai des soldats, ouais j'ai un soldat gravement blessé, mon grenadier. Comment ça, on peut pas utiliser des dispositifs des déterrés, j'ai un psionic niveau maximum. Qu'est-ce qui nous attend? Oh les mecs. Sacrifier notre humanité pour goûter à leur technologie. Et si nous parvenons à exploiter ce pouvoir davantage, ne risque-t-il pas de nous pervertir comme ce qui leur est apparemment arrivé? Attendez, j'ai un psionic niveau maximum. Il va falloir m'expliquer pourquoi je peux pas utiliser la salle Golop. Développer et pouvoir soigner des soldats, à la limite le psylab, mais bah non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais me renseigner, je reviens. Me revoilà. En fait, c'est tout simple, il suffit juste de faire une armure psychique, une armure psionique, pardon, et de l'équiper sur le Gugus, tout simplement. Ce qui m'embête un peu, parce que c'est quand même un commando, et une titan, je crois que ça fait moins d'armure. Entre de bonnes mains, cette combinaison pourrait être extrêmement redoutable. Wow. On a réussi, commandant. Le docteur Vallon nous assure que ce soldat est capable d'interagir avec le dispositif extraterrestre. On devrait essayer tout de suite. Et voilà. C'est parti. Une fois que notre volontaire sera dans la salle, c'est le point culminant. Ah oui, non. si j'ai pas encore soigné les Gugus, ça va pas être possible. Donc du coup, d'ailleurs, hop. On va te déséquiper, on va te remettre la titan au cas où. D'ailleurs, on va même faire des meilleures armes, des meilleurs fusils. En faire un. On n'a plus tant que ça en dessous. Combien de temps il faut que j'attende? 6 jours. Bon. Voilà, hop, ça y est, c'est bon. Donc, du coup, d'ailleurs, est-ce qu'on... Non, ouais, d'accord, il faut vraiment l'équiper. Donc, il y en aura... Hop, lisez celle-là, il y en aura un. Avec un équipement un peu pourri, enfin, un peu pourri. Ça reste une armure psionique, mais bon. C'est une armure moyenne. Allez, sale golope, c'est parti. What? Enfin, vous avez réussi là où nous avons échoué. Alors, ce mec a les yeux qui brillent, c'est jamais bon signe quand un mec a les yeux qui brillent. Attaquer le vaisseau de temple. Bon. Wow. Ok. Bon bah allons-y. Hein. Donc notre grenadier. Notre sniper, notre premier commando qu'on va modifier pour équiper avec un fusil plasmique. Parce que c'est quand même mieux le fusil plasmique. On peut pas le retirer. Hein.
Je crois pas. En tout cas, de toute façon, ça nous servira à rien. On a notre Uber Team, on va dire. Même si c'est pas forcément. Ah ouais. Bon. On va y aller avec ça. De toute façon, c'est la dernière mission. Je crois que c'est la dernière mission, normalement, c'est la dernière. Donc c'est tout ou rien là. On arrive à la fin du let's play. En même temps, on arrive presque au 50e épisode, ce qui est quand même assez énorme. Donc du coup, c'est plutôt pas mal au final qu'on arrive à la fin, même si je me suis vraiment éclaté à faire ce let's play. Bon, faut dire que c'est la difficulté normale, donc c'est pas non plus hyper dur, même si j'ai bien galéré à des moments. On fera peut-être une saison 2 si vraiment ça vous a plu, parce qu'en fait, là, je viens de tourner des 46 épisodes d'un coup, ou presque. Oula. Ok. Je disais quoi moi? Je sais plus ce que je disais en fait. Alors par contre là on voit rien. Ok, deux sectoïdes. Ok. Y a quoi là? Y a rien. Contre quoi il se cache? Va falloir m'expliquer. Donc je disais à propos du nombre d'épisodes, oui, j'ai fait les 46 épisodes presque d'un coup. Donc du coup, le premier n'est toujours pas sorti alors que je vais finir le let's play. Donc je ne sais pas du tout quels sont vos retours. Alors pas du tout. Du coup, j'espère que ça vous aura plu parce que 50 épisodes, si ça vous a pas plu. Ça va pas être sympa. Oula. C'est assez n'importe quoi là. Surtout quand. Ah si, ils peuvent quand même passer, j'avais l'impression qu'ils pouvaient pas passer. Donc on sait qu'il y a des. Il y a des soucoupes. Il y a des soucoupes et que c'est pas forcément la meilleure idée pour le. Pour le subdeptionnique, parce que je crois que c'est le seul qui peut mettre fin à la mission. Donc on va le garder en vie. Où est mon sniper? Ok, il y a un sectoïde alpha que je ne vois plus. Toute façon, ça va bouger. Ça va bouger, c'est sûr. On se méfie. On se méfie. Donc non, toi, tu vas pas rester. Tu vas pas te mettre devant. Meilleure idée du siècle pour te tuer. Je suis en route. Là, j'ai aucune couverture, mais au moins je suis en vigilance. Ah non, ça c'est con. Ah la vache, ils vont me faire tomber mes vigilances du coup. Ok. Ah. Du coup, voilà. Plus
Yes. Alors, je comprends pas pourquoi ils se téléportent. Bon, alors, ils sont tous en vigilance. Donc, méfiance. Ok, j'espère qu'ils peuvent pas nous toucher. Ah ah. Yes. Oh, ça c'est magnifique. Allez hop, une soucoupe éliminée. Alors si de ce côté il pouvait faire pareil, ce serait génial. J'ai dit quoi? Y a personne qui voit quoi que ce soit. Ok, c'est problématique, mais on va attendre. Parce qu'on peut pas bouger. Il y a la vigilance. De toute façon, normalement, s'il nous voit pas. Ah, par contre, 4 petits réflexes sur. Oh. Ça, je déteste les drones. Ça sert à rien. Et en plus de ça, ça fait tomber les petits réflexes. Allez, vous le ratez pas. Yes. C'est ce qu'il fallait. Donc on sait qu'il y a un petit sectoïde alpha qui se balade. Ça devrait pas être un problème. Normalement, là, il n'y a plus rien. Bon, il est en vigilance, mais il s'est pas tiré. Il n'y a pas de musique, c'est très bizarre. Ok. On va pouvoir avancer. Ça veut dire... rechargement. De toute façon, vu la difficulté qu'on a atteinte sur les derniers épisodes, il y a moyen qu'on se retrouve face à un 12 sectopodes. Et ça, c'est jamais cool. Ok, on va pouvoir avancer. Donc, pas mon psionique d'abord. Oh zut, c'était pas non plus le fusil de précision la meilleure idée. Alors. Je bouge. Tu vois rien, c'est plutôt rassurant d'ailleurs. J'y vais. Alors je pense que le vaisseau il est bien en longueur. Zut. Toi tu recharges. Voilà. Vigilante. Ok. On va essayer de se caler. Zut, ça sert à rien. Il peut pas se mettre à couvert lui. Alors par contre, ça pue, mais genre bien. Ça sent les trucs foireux. Je pense qu'au prochain tour, là, ça va... ça va pas être drôle. Ça sent les mobs là et là, de deux côtés. On va s'amuser. Bien.
Alors, leur tour. Pour l'instant, pas de dégâts, c'est plutôt bien. Alors. Eh, on peut essayer ça. On... Yes, contrôle mental. Du coup, ça nous permet d'avancer tranquillement. Et puis à la fin du contrôle mental, on pourra le tuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer en éclaireur. Il peut se déplacer, mais genre à mort. Et normalement, ça fait rien s'il se fait tuer. Alors, notre génialissime nouveau compagnon. Alors, un double planeur. Où est... Ah et boum. Ils sont pas énormes les ennemis quand même. Zut, c'était pas le fusil plasmique que le... Ah oui, mais il n'y a pas eu de type facile. C'est pas très grave. C'est pas très grave. De toute façon, le planeur, il va encore nous servir à avancer. Alien repéré. Bon, c'est pas comme si c'était extrêmement difficile, hein, c'est juste des planeurs de niveau 1. Pas des planeurs améliorés, donc bon, pépère. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Est-ce qu'il peut sprinter? Il n'a pas l'air de pouvoir sprinter. Bah, du coup, on va te ramener par ici. Que tu puisses te faire tuer. En tout cas, il va vite. Hop. On continue d'avancer. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce que tu peux nous faire, toi? Mais tu peux pas bouger, en fait. Il peut pas monter. C'est très idiot. Donc là, j'ai mis en phase de vol. Et ça sert à... Oups. Parce que je voulais. D'accord, c'était un peu bizarre. C'était voir très bizarre. Ah, je comprends pas pourquoi il y a des zones noires là.
Ça fait 20 minutes, mais comme on arrive à la fin, je vais peut-être rester à 5 minutes de plus. Comme ça, on verra dans l'épisode prochain ce qu'il y aura, même si... Je vais juste voir où est-ce qu'on en est là. Et oh, bon d'accord. Je crois qu'on est quand même plus très loin de la fin. Je suis en route. Bon là, le planeur il va se libérer. Sauf que voilà. Ah oui, non, mais... Faut me tirer dessus non plus. Bon, il a voulu me tirer dessus. Raté. Voilà. Alors ça, je comprends pas. On dirait qu'il y a un mur invisible. C'est très bizarre. D'accord. Sinon on peut passer par nulle part. Hein. C'est très bizarre. Eh oh, on peut pas passer? C'est n'importe quoi. C'est pas par là, il y a un mur. Eh les mecs, c'est censé être par là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais voir, je vais juste voir. Sans déplacer tout le monde. C'est pas parce que c'est le pionnier qui doit passer d'abord. Pourtant, il y a l'air d'avoir quelque chose derrière. Ah non, il y a bien rien. Je suis en route. Attends, hop. Ah non, c'est bizarre. Pourquoi je peux pas passer? Vous savez quoi? Déjà, on va soigner. Voilà. Vous savez quoi? Je vais arrêter là cet épisode. On reprendra dans le prochain. Je vais essayer de me renseigner pour savoir pourquoi je peux pas passer. C'est très 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 bizarre. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !